Dans son livre, il m'appelle Mathieu Gallet. Et puis après, il y a une digression sur Tancrède, mais qui est quelque chose d'à part. Un côté libre, assez libre dans sa façon d'être et de se comporter. C'est quelqu'un pour qui l'humain compte énormément. Dans la fonction qui est celle d'un ministre, je ne dis pas que l'humain, ça compte pas, mais à un moment, il y a des décisions qui doivent être prise de façon plus froide. Dans mon souvenir, il n'est pas très wagnérien. Après, est-ce qu'il est vraiment Madonna? Faut lui demander. Ça, je sais pas. Je crois que c'est pas aujourd'hui, c'est pas dans ses projets de retravailler à la radio. C'est pas dans vos projets? Travailler à Radio France avec Mathieu Gallet comme patron, ça ouais, serait un serait peu bizarre. Compliqué. Évidemment. Ce serait compliqué pour lui, pas pour moi. Voilà. Bon. Alors, mais ça arrivera peut-être. J'adore la radio. J'adore la radio. J'adore la radio. J'en ai fait pendant 10 ans à Europe 1. J'adore la radio. Mais bon, voilà, là, j'ai beaucoup de projets. Alors, s'il ne vous prend pas tout de suite à Radio France, il a une autre idée pour vous. Ouais. Cher Frédéric Mitterrand, Monsieur le ministre, quand est-ce que vous travaillez à un prochain film? Parce que ça fait bien longtemps qu'on ne vous a pas vu derrière la caméra. Alors écoutez, là, pour l'instant, je suis en train de réaliser des choses pour la télévision. Un film sur Christian Dior, auquel j'attache beaucoup d'importance. J'ai 2 autres projets importants du même ordre. De réalisateur, alors, oui, et pour la télé? Pour la télévision. Et puis j'ai un projet de film auquel je tiens beaucoup, mais qui mettra du temps. Qui racontera une histoire d'amour. Oui, qui est déjà C'est pas la peine de prendre un air langoureux. Non, c'est vrai, j'avais... Bah oui, autant vous inspirer. Une histoire d'amour. Non, j'ai pas dit une histoire d'amour. Non, mais ça semblait une évidence, en fait. Bien sûr, une histoire d'amour. Mais c'est un bon sujet, je vous encourage, monsieur le ministre. Oui, vous avez raison. On recommence. Il vous a appelé, monsieur le ministre, Mathieu Gallet? Oui, il m'appelle, monsieur le ministre, parce qu'il a été dans mon cabinet, donc c'est normal, ça continue.